Quel est le but de votre démarche, Monsieur Farge? C'est pour avoir la nationalité américaine. Je suis obligée de vous décourager. Je pense américain, je bouffe américain. Alors, je suis américain. Faut se rendre à l'évidence, hein. Sont vos parents qui sont américains, aidez-moi. Ah non, non, mon père était français. Mais ma mère était française aussi, d'ailleurs. J'ai une gêne. Vous n'avez pas besoin d'un avocat. Râleur, grande gueule, arrogant. Il n'y a pas plus français que vous. T'es plus dans la course, Edouard. On se sépare. J'ai une meilleure idée. Si j'obtiens Francis Farge la nationalité américaine, c'est moi qui vous rachète. En Paris ? Un frigo d'américain, ça c'est quoi ? Un frigo de français. Pur porc. Sac poubelle. Vous voulez devenir américain ou pakistanais ? Demain, c'est tout le lotissement qui va supplier de nous suivre. On va former une équipe de football américain. Moi, les Américains, je suis pour eux. FBI. Je suis pour eux, hein. Fausse bonne idée. God bless America. God bless America. Bless. Je rentre pas dans le pantalon. Bah, tu peux rentrer chez toi. Ah, faudra bien sécher du bas et développer tout ça en haut. C'est quoi ce bordel? Je suis plus ta femme, Francis. Nelly, t'as des pots de saucisson sur les yeux ou quoi? Arrête avec ça, t'es complètement fou. On n'y est pas. La différence entre un fou et moi, c'est que moi, je suis pas fou. On n'y est pas. Il y aura un petit examen de langue. Alors là, je suis pas inquiet. Je parle américain couramment. Monsieur? Oui, bah non, ça suffit. Voilà, en permanence. Et au niveau langue? Au niveau langue, il a les bases, hein, mais pas les bonnes. C'est fuck tous les trois mots, suck, shithead, stick it up your ass. Ça qui veut dire? Colle-toi les dents dans le cul. C'est dans derrière toi.